Je voudrais juste dire que l'Arménie, c'est pas que du papier, en fait. Ce sont des gens merveilleux, c'est le berceau du christianisme. Et en fait, je crois que je suis troublé, profondément troublé par ce qui arrive. Mais je crois que ce qui me trouble le plus, c'est l'indifférence. C'est quand on est indifférent devant un tel massacre. Parce que moi, on a vu les bombes à sous-munitions qui explosent à peu près 1,50 m à hauteur d'homme et qui détruisent des écoles comme des enfants, comme des familles. Alors, je garde l'espoir parce que, vous savez, en arménien, je ne sais pas vraiment comment le dire parce que c'est mon père qui le dit, chaque arménien est une lumière. Et à chaque fois qu'un arménien tombe, il y en a un autre qui naît. Alors, je souhaite de tout mon cœur que ces gens-là se remettent de tout ça, en tout cas, s'ils en ont la possibilité, la capacité. Et je suis meurtri, en fait.